Alors, Mangaba, pense notamment à ce tintamarre qui ressemble bel et bien à une jacasserie de Yaya Mayeza. Moi, j'aimerais simplement savoir, parce que étant membre de la diaspora, ça devient inquiétant qu'on ait à chaque fois des initiatives hein, qui ne sont pas notamment seulement à critiquer, parce qu'au-delà de tout, voir les Congolais qui se rassemblent pour un but utilitaire au monde, d'abord dans le sens de prôner l'unité, c'est louable. J'ai eu à discuter avec M. Florent Ndaye, qui n'avait pas hésité de m'expliciter dans les coulisses un peu la portée associative de cette action. Bon, notamment vos interventions virtuelles. J'ai comme l'impression, c'est ce que je crois l'aîné Robert Célestin Mambouli a déjà essayé un peu d'évoquer, mais moi je vais simplement élargir cela, que vous menez une bataille de focalisation sur Monsieur Rossel Bakoua, dans le sens où vous dites dans dans l'un de vos directs que nous allons, moi personnellement, je vais créer les forces vives de la diaspora. Eux, ce Non. sont le collectif des forces vives de la diaspora. Donc, Non. j'ai comme l'impression que vous avez déjà cette volonté-là de trouver idéal, de créer peut-être votre propre association. Et maintenant, vous avez choisi peut-être la toile pour essayer de dénoncer. J'ai comme Non. l'impression que vous voulez créer votre propre Attends. association, donc les autres deviennent aujourd'hui des diablotins. Monsieur Mangaba, parce qu'il ne faudrait pas que vous puissiez nier ce que vous avez eu à distiller publiquement.